Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite saison 4. Alors le premier défi est une quête légendaire à plusieurs étapes, qui va vous demander de manger du poisson. Donc la première étape va vous rapporter 55 000 XP et ensuite 20 000 XP pour chaque autre étape. Alors la première étape va vous demander de manger 10 poissons, ensuite 20 poissons, ensuite 30, ensuite 40 et pour finir 50 poissons. Quand vous aurez mangé 50 poissons, vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Alors pour manger du poisson, rien de plus simple, vous trouvez une canne à pêche ou alors un harpon. Moi je vous conseille l'harpon comme ça, bah, vous allez 10 fois plus vite pour pêcher du poisson, donc ça peut être efficace, mais sinon bah vous pouvez le faire à la canne à pêche. Ensuite vous pêchez le poisson et vous le mangez directement pour valider le défi. Alors maintenant on va passer aux quêtes épiques. Le premier défi est de détruire des caisses de pommes et de tomates au marché fermier du verger. Alors pour réaliser ce défi, rendez-vous au-dessus de Colossal Coliseum comme vous le voyez dans le gameplay, là il y aura un marchand de fruits. À cet emplacement-là, il y a des caisses de tomates à détruire, il y a des caisses de pommes à détruire à l'intérieur du magasin. Donc franchement, vous avez large caisse à détruire. Et pour réaliser ce défi, vous devez juste détruire 3 caisses de pommes ou de tomates pour débloquer 20 000 XP. Le deuxième défi est de conduire une voiture sur le champ de maïs au domaine du fermier blindé. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à droite de Colossal Coliseum. Donc moi je vous conseille d'aller directement à la pompe. Logiquement, il y aura toujours un petit véhicule qui y traîne. Vous prenez le véhicule et ensuite vous vous dirigez vers le champ de maïs que je montre dans le gameplay. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement conduire dans ce champ de maïs et là vous débloquerez 20 000 XP. Donc rien de plus compliqué. Le troisième défi est de livrer un pick-up à la ferme de Tournesol. Ou alors il faudra livrer un camion à la ferme de Tournesol. Comme je fais la vidéo en avance, je ne suis pas sûr si c'est un pick-up ou un camion. Donc pour être sûr, je vais vous montrer l'emplacement du pick-up et je vais vous montrer l'emplacement des camions. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi. À cet emplacement-là, il y aura un camion. Alors il y a un autre camion qui se trouve à côté de Craggy Cliff, comme je vous le montre dans le gameplay. Donc il y a deux emplacements de camions, si jamais. Et ce que vous allez devoir faire avec ce camion, c'est tout simplement le ramener à la ferme Tournesol, qui se trouve juste au-dessus de Colossal Coliseum, comme je le montre dans le gameplay. Donc rendez-vous à cet endroit-là avec le camion, et logiquement, ça validera votre défi et vous gagnerez 20 000 XP. Alors si ça ne fonctionne pas avec le camion, c'est que vous allez devoir le faire avec un pick-up. Alors si vous voulez un pick-up, rendez-vous au même endroit que moi, à côté de Craggy Cliff. À cet emplacement-là, il y a toujours un pick-up qui spawn. Donc prenez ce pick-up et allez le livrer à la ferme de Tournesol comme je vous ai montré tout à l'heure avec le camion. Donc comme je tourne la vidéo en avance, je ne suis pas sûr si c'est un pick-up ou un camion. Et je pense que la ferme de Tournesol se trouve là où je vous l'ai montré. Alors si maintenant je me suis trompé dans le défi, ne vous tracassez pas en commentaire. Je vous dirigerai vers une vidéo correctif où je vous montrerai comment réaliser le défi, si bien sûr je me suis trompé. Alors le quatrième défi est d'infliger des dégâts avec des pistolets. Pour réaliser ce défi, vous allez juste devoir trouver un pistolet et ensuite infliger 250 de dégâts. Alors je vous conseille de le faire en foire d'emploi, mais je pense que ce sera beaucoup plus simple. Après 250 points de dégâts, c'est pas énorme et si vous jouez en duo section, bah vous pouvez finir les personnes que vous mettez à terre avec votre pistolet. Et je pense même que ça fonctionne si vous tirez contre les personnages que vous mettez en duel ou les gardes qui spawnent dans la map. Ou même les boss de la map. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement 250 de dégâts, je pense que c'est pas très difficile à faire. Et quand vous aurez terminé ce défi, ben vous débloquerez 20 000 XP. Le cinquième défi est de collecter des lingots d'or. Alors pour réaliser ce défi, vous avez juste à collecter des lingots d'or, soit en tuant des personnes, soit en trouvant dans des coffres, soit en trouvant en cassant des lits, des fauteuils qui se trouvent dans les maisons, un peu partout. Vous pouvez même les trouver dans des coffres blindés. Et je pense que vous pouvez en trouver aussi dans les lamas et dans les largages. Donc voilà, il y a plein de façons de collecter l'or. Il y a même une façon qui est assez utile, c'est demander des contrats aux personnages ou aux tableaux de primes qui se trouvent un peu partout sur la map. Donc vous demandez à un personnage de faire une petite quête et vous gagnez des lingots d'or ou même de faire un contrat et vous gagnez des lingots d'or aussi. Alors pour terminer ce défi, vous allez devoir collecter 500 lingots d'or et vous débloquerez 20 000 XP. Alors le sixième défi est de faire sauter une pompe à essence.
Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une pompe à essence. Si vous ne savez pas où il y en a, si vous êtes à côté d'un véhicule, vous rentrez dans le véhicule, vous regardez sur votre map, et là vous verrez qu'il y a des symboles de pompe à essence qui s'afficheront sur la map. Alors ça fonctionne avec n'importe quel véhicule. Donc même un bateau, vous verrez toutes les pompes à essence qu'il y a sur la map. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à l'une de ces pompes à essence et de la détruire à la pioche ou à l'arme, comme vous voulez. Quand vous aurez détruit une pompe à essence, vous débloquerez 20 000 XP. Alors le 7e et dernier défi est de parcourir la distance en planeur. Vous allez devoir parcourir 3500 mètres en planeur. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'en aller en foire d'empoigne tout simplement parce que vous pouvez redéployer votre planeur. Et de là, vous allez devoir voyager sur 3500 mètres pour débloquer 20 000 XP. Donc voilà, rien de très compliqué non plus. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoCoolMec et ciao, peace.